bienvenue à tous dans cet entraînement Back to Workout, 30 jours challenge, en compagnie d'Émilie et de Jérôme. Alors ici, on s'est bien amusé pendant quelques semaines. Et là, on est reparti avec un premier entraînement de la semaine 1. 10 minutes, j'espère que vous avez votre tapis, votre gourde, votre combinaison de sport. Et puis, on est parti en s'amusant. Premier exercice, on va être parti pour 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération. On passe au sol, tout le monde au sol. C'est parti, on se met sur le dos. Ok, on va choisir un côté et on va être parti pour 30 secondes. Une jambe fléchie au sol, je vais monter les fessiers, bien contracter les abdos et ancrer les omoplates au sol. On est prêt? C'est parti? Come on. On monte, on descend. Poussez bien dans le talon qui est au sol. C'est la jambe au sol qui va travailler. Super. On monte et on descend. À votre rythme, c'est pas un concours de vitesse. Yes. Et on pense surtout à bien respirer. On inspire en descendant. On souffle en montant. Allez, dernière seconde. Ok, super. On peut relâcher 15 secondes. On a fait un côté. On va passer à l'autre côté. Ça va, Émilie? Super. Ça va, Jérôme? Ok, c'est parti. Même exercice, même consigne. 3 secondes. Et on remonte. Let's go. Pensez vraiment à bien caler les omoplates au sol. On va chercher la contraction dans le fessier. Yes, super. Ouh, on sent que ça chauffe déjà, hein, n'est-ce pas? Ouais. Je le sens bien. Ouais. Yes. Excellent. Allez, encore quelques secondes. Et puis, on va rester sur un troisième exercice fessier. Ok, time. Ouh, ça va, les gars? Ouais. Ok. On va repasser au sol. On a fait un côté, on a fait l'autre côté. On va faire les deux ensemble. On y retourne. C'est parti. On monte et on descend. Les deux talons sont ancrés dans le sol. Pensez à souffler quand vous montez. Et déjà là, on active en fait les gros muscles. Donc c'est normal si vous commencez déjà à avoir chaud. Alors une option un petit peu plus facile si vous voulez, vous restez en haut, vous bloquez. On va juste bien penser à serrer les abdos. Épaules calées au sol. Et vous pouvez continuer les répétitions si vous voulez. C'est très bien aussi. Allez, dernière seconde. Ok, c'est parti. On arrête. On se redresse. On passe en sumo squat. Alors la différence ici, c'est qu'on va passer avec un écart un petit peu plus large entre les pieds, pointe de pied vers l'extérieur. On serre les abdos, épaules rétractées vers l'arrière. Et je descends. Let's go. Poussez bien les hanches vers l'arrière et vers le sol. Je vais me mettre le profil comme ça, vous me voyez. Super les gars. Excellent, on active les jambes. On active les fessiers. Allez, encore 10 secondes. On inspire et on souffle en montant. Allez, chercher un tout petit peu plus bas pour les dernières. Yes. Ok, super. On reste debout, on continue le travail des jambes. Alors simplement alterner gauche-droite, main à la taille. On enroule les épaules vers l'arrière. Une fente avant. On alterne gauche et droite. Let's go, c'est parti. Poussez bien le genou arrière vers le sol. Restez bien droit. Alors ici, il n'y a pas que le bas du corps qui travaille. C'est important de bien gainer le haut. Concentrer sur tout le corps. 10 secondes. Allez, garde on tout. Il n'est pas facile. Super, Émilie. Ok, time. Un petit peu plus cardio. On s'accroche, d'accord? Burpee, complet. On va monter un petit peu dans le cardio.
un squat, une planche, un squat, un jump. On est prêt pour ça? Est-ce qu'il y a une alternative? Oui, alors, un squat, regarde, tu peux partir en quatre temps et tu remontes. Ça va? Okay. On est prêt? Ouais. L'option que vous voulez, c'est parti. On descend bien en squat, on pousse les hanches vers l'arrière. Alors, avec ou sans le jump. Et la dernière option, tranquillement en quatre temps. N'hésitez pas à la prendre si vous commencez à sentir vraiment la fatigue. Il nous reste 10 secondes. Tenez bon. Ouh. Come on, guys. Ok. Perfect. Super. On va passer de nouveau, on repasse en bas sur le matelas. On se souvient du premier exercice. On va repartir sur une jambe, vous choisissez votre côté. On monte les fessiers. Pensez à bien respirer. On y va, c'est parti. On active. Avec le sourire, c'est encore mieux. Super. Alors, si vous voulez plus d'intensité, ne redescendez pas complètement les fessiers au sol. D'accord? Ouh, ça chauffe. C'est normal. On est déjà bien monté dans l'intensité. 5 secondes, 5 secondes. Ok. Super. On repart un petit peu. Comment, Emily? On repart un petit peu dans les fentes et dans l'intensité. On a vu les fentes avant. Et simplement, on va ajouter un jump. On est prêt? Un petit jump. Et ensuite, c'est parti. N'hésitez surtout pas à reprendre l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Poussez bien le genou arrière vers le sol. Poitrine haute. Yes! Je sais que vous l'avez. Deux alternatives. Aérobe, aérobe. 5 secondes. Ok, super. Ouh, ça va? Ouais. On reprend burpee. Vous rappelez? Un squat, une planche, un squat, un jump. Avec ou sans le jump, ou en quatre temps en bas. Let's go! J'ai adapté, hein. Yes! Je peux plus sauter. Il n'y a pas de souci. Bien, Jérôme, garde l'intensité. 4 temps si vous préférez. Il n'y a pas de souci. Dernière seconde. On lâche pas, on lâche pas. Super. Ok, guys. On reprend au sol. On a travaillé avec une jambe il y a 2 minutes. On repasse sur l'autre. Hip thrust en haut. Switcher de jambe. Tendez. Et up down. C'est parti. Serrez les abdos, c'est la clé. Dans quasi tous les exercices, on pense au centre du corps. Et ça donne soif, hein, tout ça. Pas vrai? Ouais. Ouais. Allez, 10 secondes à tenir. Reposez au sol à chaque fois si ça devient trop dur. Montez le plus haut possible. Time. On se rappelle des fentes. Allez, on y est presque. Soit les fentes avant, ok. Soit on monte en intensité. On va chercher le challenge. Let's go. Pensez à bien décoller. Switcher les jambes en l'air. Stabiliser de nouveau avec les abdos. Bien, Jérôme, super. Dix secondes à tenir. L'option, on n'hésite pas à la prendre. Ça travaille tout autant les fessiers, les cuisses. Dernière seconde et time. Ok,
une fois 30 secondes. J'espère que vous êtes prêts. On repasse au burpee. On se rappelle les trois options. Let's go! Sans le jump, c'est bon aussi. Ou en quatre temps. On explose. Dernière 30 secondes. Gainez bien les abdos en bas. Serrez les fesses. Tenez bon. 10 secondes pour aller chercher l'intensité. Yep. On y est. Ok. Time. Grand merci à tous pour votre participation pour ce premier entraînement de la semaine 1. Alors surtout, 30 Days Challenge. On va faire cet entraînement tous les jours de cette première semaine. Ça a été les gars ? Super. Yes. Intensif. On a un petit peu monté dans l'intensité, c'était le but. Alors surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous, on vous retrouve la semaine prochaine.